can come as close as you when you hear the wind blows. But through this unstoppable storm of love remains, it drives me insane. I feel we got so far in the game. Now everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane, and they say no rain. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien depuis dimanche. Alors, on est mardi, je vous avais dit dans le live dimanche, en tout cas, merci à tous. Merci à Eric, merci GG, un grand GG à Romain pour ses deux dons, encore une fois. Je vous avais dit que je faisais que mercredi, mais j'ai eu le temps de tourner. Et aujourd'hui, on se retrouve sur ma petite Valaisie, qu'on arrive quand même au 40e. Et on va aller récolter le miel. Donc, j'ai préparé tout ce qu'il faut parce que j'avais rien et on va charger déjà ça et après on ira chercher. Bon, je vais peut-être mettre l'autre côté. Oh, il n'y a pas beaucoup de place. Ce que je vais faire, je vais peut-être prendre déjà pour mettre la centrifugeuse dans le bus. J'espère que j'arrive à la mettre. Hop. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver en live parce que ça faisait un moment hein, que j'avais pas refait de live. Et ça fait toujours plaisir. Alors, vous avez vu que dimanche, si je mets ça, ça ira mieux. On était sur la Cavalet. La Cavalet, ben, c'est clair qu'avec le mode saison, même sur 6 jours, eh ben, il faut avancer. Alors, est-ce que j'arrive à la mettre? Oui. Ça, c'est le petit bus qu'on... je crois que c'est notre petit Eddy ou Corentin, je ne sais plus. En tout cas, je salue toute la Farming Family. En tout cas, oui, Ced, mon terrible, et puis Eric, puis même Nico m'a rappelé que j'ai perdu un peu le fil et les noms. mon petit Nico, si tu regardes la vidéo, je sais que tu vas regarder. Sur la map, la Valken de K20, t'étais pas là pendant le live, mais j'ai trouvé l'eau aussi à l'hydrante qui est payante aussi. Alors, je t'avais dit en privé sur Skype que tu pouvais aller comme sur le 17 à la pompe. Et tu peux aussi, il y a toutes les hydrantes. Alors, ce qui est bien, c'est comme je l'ai dit dans le live, il y en a une hydrante, il y en a une tout près de l'alpage tout en haut. Hein, qui est un peu la ferme de départ quand on commence la partie. Je mets un peu ça en sauvage. Là-bas, je devrais la centrifugeuse la descendre à la main parce que j'ai pas de Clark. Mais bon, ça fera pas trop de réalisme. Mais c'est pas grave. Mais les pommes, il y en a pas encore. Si on a le temps, il faut que j'achète un petit truc là, fabuleux. Pour préparer la récolte des pommes, je sais que normalement c'est le 4e jour. Est-ce que ça va aller? Ouais, ça va aller. Par contre, la caisse, je sais pas où je vais la mettre. Mais je compte acheter peut-être là. Bon, ben, les finances, vous voyez qu'elles sont pas très hautes. Alors, il faudra regarder les prix. Peut-être qu'on vendra peut-être un peu de culture en fin de vidéo si on a le temps. Parce que là, les abeilles, eh ben, il faudra que je récupère le miel. Et après, parce que là, je vais pas avoir de place au niveau du bus pour mettre des nouveaux cadres. Parce qu'il faudra remettre des cadres pour qu'elles refassent du miel. J'ai jeté la caisse, je suis en train de plier la carrosserie. C'est pas bien grave. Hop, juste la tourner un petit peu et puis la mettre ici. Hop. Eh. Je t'ai dit d'aller à l'intérieur, je t'ai pas dit de retomber. Hop, voilà. Allez, on va monter direct. On va mettre les sangles. On va tout refermer, tout ça, l'atelier. Et on va aller direct. Alors, on va faire gaffe au radar pour pas reprendre une prune, comme d'habitude. Ah, il est fabuleux, hein, ce bus. Alors, il fait service aussi. On va aller tout doucement. Parce que là, tu vas un peu vite, le Valaisan. Je crois que c'est 30 à l'heure. On verra bien. Ici, je sais qu'on chope le radar. Hein.
Là, je suis même peut-être un peu vite. Non, non, normalement, c'est bon. On va passer par la forêt, c'est plus court chemin. C'est bon, là. 36, 38. Oh, c'est peut-être alors au début. Ouais, je sais pas. Je me réjouis de ramasser les pommes. En tout cas, cette série vous plaît toujours autant. Vous avez vu qu'on a fait la fusion avec la Cavalet sur la map de K20 de Valken. Encore une précision. Et hey, les gars, c'est pas parce que pour rien qu'on met un titre. Bon, après, lisez le titre quand même. Ou mettez l'image, ou comme dirait Nico, l'image ou le son. Et comme ça, vous verrez le titre au lieu de me demander pendant le live. Alors, des lives, j'essaierai de vous en refaire, il n'y a pas de souci. Regardez ce coin de forêt là avec les ombres, c'est assez magnifique. J'aime toujours autant. Et ça change, hein, on fait plus d'activités. Il y a quand même de la fabrication ici sur la petite Valaisie. Puis ça fait un sacré moment que j'ai commencé cette série, hein, je veux dire. J'ai de la moisson à faire. Il faudra qu'on aille voir. Ben voilà, au lieu de regarder en fin de vidéo d'aller vendre, peut-être qu'on ira voir le biogaz. Peut-être qu'il y a du gaz à vendre et ça ferait des sous pour acheter un peu un Unimog par exemple. Alors ici aussi, le Valaisan, il va aller doucement parce qu'il y a le radar aussi. Je suis même peut-être un peu vite, non? Je ne sais pas combien c'est. Et je n'ai pas envie de tester parce que j'ai déjà pris deux prix, une à 600 euros. Mais là, bah ça coûte plus haut que 40. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas eu de prune. Tant mieux. Là, on a la sortie. On peut repousser un petit coup. Vous voyez que les pommes. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu là? Ça a fait bizarre là. Allez, ah ben j'avais une caisse là. Ah ben c'est pas bien grave. Ouais, il faut que je fasse gaffe pas d'acheter des caisses pour les pommes parce que j'en ai. Ah, il faut que peut-être que j'enlève les sangles. Hop. Voilà, nickel. Allez, on va décharger ces petits bidons. On va les mettre ici. Ça fera de l'argent parce que le miel se vend bien. Hop. Hop. Alors j'espère que pour la fin de la semaine, j'arriverai à avancer sur la Cavalet. C'est pas sûr parce que vu que ben voilà, je suis qu'au deuxième jour et puis vu que j'ai fait le live, je voulais pas accélérer le temps pendant le live. J'essaierai un peu. C'est compliqué comme je vous ai dit dans le live la semaine pour moi. Hop. Et d'habitude je tourne tous les épisodes le dimanche, mais vu qu'il y avait le live, hop, nickel. Je suis content, hein, c'est la première fois que je vais ramasser faire du miel. Les pommes, mais bon, vous voyez que les champs là, petite salutation à Bob 24, hein, qui est producteur de pruneaux. Il me dirait il faut faucher entre les arbres, et ça on va le faire avec un mode qui est assez génial, que j'ai pas encore testé, mais on va le tester peut-être ensemble dans le prochain épisode. Allez, on va descendre le Valaisan, il a de la force, regardez ça. On va essayer de la tourner comme il faut. Alors, je vais la mettre là parce qu'il faudra que j'ai de la place aussi pour le pressoir. Et on va prendre la caisse et aller ramasser, vider les ruches. Alors, je sais pas s'il faut déjà lever le machin, je crois. Ouais, je pense qu'il faut ouvrir. Hop, voilà, vous voyez que je suis à 100%. Hop. Ouais. Alors, il y a un moment que je. C'est pas ça. Normalement, je dois pouvoir prendre, non? On peut pas. On voit que c'est ici en bas. Bon, je vais mettre ça, agrandir, jeter l'objet. Ouais. Je me rappelle plus comment. Ah, comment c'est le remplissage. Voilà. Il faut poser par terre. C'est pas comme quand on le charge.
lequel il y en a encore, mais non, c'est vide. On va aller mettre ça dans la centrifugeuse. Ça, c'est fait. Alors, il faut l'ouvrir aussi. Ah, je l'ai pris, je veux pas le prendre. Utiliser, hop, on va l'ouvrir. Tac, voilà. On va redescendre et on va mettre normalement, hop. Ouais. Ah, je me rappelle plus. Hein. Pourtant, j'ai vu utiliser. Alors, peut-être que hop. Remettre la bâche activée. Mettre moteur en marche. Ouais, ben. Je veux pas mettre le moteur en marche. Je voudrais activer l'extracteur. Bon ben. Non, mais moi, je veux mettre le miel dedans. Quoi, en tout cas les rayons, je suis en train de tout saboter. Je me rappelle plus comment on fait. Ça, c'est super génial. Ah, c'est bon, c'était ici. Nickel. Oups. Ah, c'est peut-être plein. Ouais. L'extracteur est plein. Alors, je voudrais juste le remettre un peu droit. On va remonter à l'intérieur. Est-ce qu'il est plein? Ouais, il est plein. Il est plein. On va mettre le moteur en route. On va peut-être refermer pour pas que ça gicle partout. Hop. Et c'est parti. Il faut une minute. Bon, je pense qu'il faudra le vider. Moi, pour l'instant, je vais aller rechercher des rayons. Je vais juste la reposer comme il faut, puis la prendre comme il faut. Les ruches, je laisse ouvert parce que finalement, de toute façon, il faut que j'aille en racheter. Je note bien... oui. Commencer. Voilà. Ah, il en reste un parce que c'est normal vu qu'il n'était pas vide. Et on regardera le prix, combien on vend tout ça. Hop, on va laisser ça là. Alors normalement les bidons, ben les bidons on peut pas récupérer, alors je crois pas. Yes. Hop. Utiliser. Alors, hop. Hop. Regardez, le bon miel. Du bon miel. C'est tout. Ah bon, il n'est pas plein. Oh. On va arrêter. On va remettre des rayons dedans. Oh, peut-être que j'avais pas mis vraiment tous les rayons. Oh ben c'est l'horreur. Faut trouver le bon endroit qu'ils les prennent. Là. Voilà. Je vais aller en rechercher. Il faut le lâcher, hein. C'est incroyable ça. Parce que je sais que là, il en reste un, non? Commencer, voilà. Oh, il y en a même plusieurs. Oh, peut-être que le premier, il n'est pas vide. Il est peut-être pas vide, le premier. Hop, on va prendre la caisse.
Oups, on va tenir quand même droite. Ah, mais il doit être plein, hein, il est plein. Ah non, 13 litres 50%. Ah ben si, hop. Ah, je sais pas si, s'il est... Non, il n'est pas plein, on le voit. Mais pourquoi il marque 100% puis qu'il ne me prend pas? C'est bizarre. C'est bizarre, les amis. On va peut-être remettre le bidon comme il faut dessus. Hop. Oh, je sais pas où il a. Voilà. On verra. Ça prend du temps, ça prend du temps. Je sais pas si on aura le temps d'aller le vendre, peut-être qu'on le vendra ou bien on amènera au magasin chez Martine. Mais c'est vrai que normalement on devrait plus se remplir ou bien. Quoi que, je sais pas. Une marque 100%. Normalement c'est 15 kilos. Voilà. Là il est plein le bidon. Peut-être arrêter la machine. Ouvrir. Le bidon. Oups. On peut le mettre dans le bus. Hop. Ouais, je vais peut-être le mettre comme il faut. Comme ça on l'amènera à Martine. Elle va être contente avec son miel. Ah ouais, il prend pas plus. Il prend pas plus, hein, les amis. Donc c'est long à faire. Ouais, mais il y en a qu'un. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre, hein. Quand même. Je sais pas. C'est peut-être moi qui fais fou. Ou je sais pas. Ah. Peut-être reculer un petit poil. Bouge pas. Là, c'est bon. Et normalement, on va pouvoir en remettre encore plus. Alors, je vais peut-être reprendre ici parce que normalement, il doit être pas vide. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est vrai qu'on a mis deux cartons de rayon hein, dans les. Sur quelque chose normalement quand on s'approche colonie d'abeilles. Ah mais il y a toujours les abeilles, oui. Donc là les rayons normalement il y en a plus. On va essayer de remettre ça dans la centrifugeuse. Peut-être qu'il y aura deux épisodes hein, avec la vente, mais bon vous connaissez un peu, voir, vous voyez le principe un peu. Ah, il faut vraiment taper dedans la machine hein, presque. Voilà, on va aller rechercher des rayons. Bon, peut-être que là, il y en a encore. Je ne sais pas. Après, j'ai encore deux ruches. Hein. Oups. Ah, ben, je crois bien que là, on est vide. On est vide là. Je voudrais bien c'est qu'il me montre normalement. Ah, il a mis un. Alors est-ce que t'es vide ou t'es pas vide? Je sais pas. On va aller à une autruche. Vais même pas faire une vidéo de 40 000 heures. Hop. On va ouvrir. Voilà. Et puis, commencer le remplissage. Voilà.
Oups, plein. On va aller voir si on peut en remettre un peu dans la centrifugeuse. Ah, il faut vraiment que je passe cette machine ici. Parce que l'herbe est haute, puis quitte à ramasser hein, aussi. Alors, est-ce que tu es pleine? Ah, peut-être cette fois-ci. Ah, cette fois-ci, il est plein. Voilà. Voilà, on va prendre un bidon. Alors, les bidons, je sais pas si c'est comme le beurre. Et puis qu'on peut les réutiliser, mais c'est pas sûr, hein. C'est bon. Bon, bah écoutez, les amis, vous avez vu le principe. Bon, il y a eu plusieurs vidéos là-dessus quand la map est sortie. Mais c'est, moi, je l'avais pas encore fait. La prochaine fois, j'espère, vous voyez qu'on a des. Normalement, les caisses là à pommes, on est bon hein, avec ça. Ah non, ça c'est de la déco, mais normalement, je dois en avoir ici, sauf erreur, sur le char. Vous voyez que pour, j'ai pas besoin d'en acheter, il faudra venir avec un tracteur par contre, et des fourches à vent. On va juste peut-être vider la machine. Voilà. On va voir si ça fait un bidon. Et on regardera le prix de vente du miel. Et je crois que ça rapporte, hein. Ça c'est sûr. Celui-là, il est plein. On va le mettre dans le bus. On va voir s'il y en a encore à l'intérieur. Oh! Ah, mais c'est pas croyable chaque fois que. Ça tient pas en place hein, cette machine. Hop, on va mettre comme ça. Je vais juste déplacer ça. Hop, on va mettre là. Bouge plus. Voilà. Ah, pas trop. C'est trop rapide. Ah, ben il doit plus avoir de lait, de miel. Ah oui. Donc on va l'arrêter. On va couper le moteur, on va redescendre. Moi, de mon côté, je finirai tout ça. Puis peut-être qu'on fera la vente de miel ensemble. Ce qu'on va faire avant de se quitter, les amis, c'était un petit épisode. On va juste voir le prix du miel. Miel, miel, miel. Où es-tu? Et puis on ira. Ah, regardez, 11 946 les 1000 litres. Bon, j'en suis loin des 1000 litres. Mais vous voyez qu'on va en. Je pense même qu'on va investir pour mettre des ruches parce que c'est vraiment, il faut vraiment faire du miel. Or c'est dommage qu'on peut pas brancher, qu'il faut faire des bidons. C'est bien d'avoir une cuve puis remplir carrément la cuve, hein. Mais là, vous voyez, chez les particuliers, ils achètent bien. Ça, c'est un peu comme on a fait la vente et à la boutique ici, 11 000, presque 12 000, mais même il y a 15 000 ici chez un particulier. Ça c'est le plus cher, même là c'est plus cher chez les Muller. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on voulait voir ah oui, on allait aller au biogaz, les amis. C'est ici pour voir si on peut vendre du gaz. Rappelez-vous que j'avais mis du lisier. Je ne sais pas. Il y a du bruit ici, digesteur. Il y a 18 000. On va essayer d'ouvrir la vanne, voir. Et puis voilà, on verra bien. 20 000 euros. Regardez ça. Magnifique. Et ça rapporte. Là, on va faire de l'argent. J'ai encore assez de paille de maïs. 7 500, enfin, presque mètre. Et ici, j'ai encore 7 508, ouais. On va voir si la prochaine fois, on va pas ressortir. Parce que quand je vois le prix d'achat, ouais, je vais peut-être changer, parce que ça fait du bruit. Quand je vois le prix d'achat au niveau du digestat, de l'acheter, qui m'a coûté la grosse cuve à environ 20 000 litres,
qui m'a coûté 1 500 euros et puis que je touche 20 000 euros après, autant faire ça. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus. Je suis content que j'ai pu vous sortir pour ce mardi un petit épisode. Peut-être qu'on se retrouve jeudi ou vendredi, peut-être aussi nouveau sur ma petite valise, parce que si j'ai pas eu le temps d'avancer sur la cavalée, mais en tout cas, portez-vous bien, faites attention à vous et moi je vous dis tout de bon. Salut les amis.